Alléluia. Amen. On se lève le matin automatiquement. Allez, tu commences d'abord à regarder. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Il est 5 heures du matin. Tu dois aller travailler. Avant même de te laver, tu commences d'abord à partager. Où est le temps de prier Dieu? Les réseaux sociaux ont pris notre temps de prière. Il y a même des gens, pendant qu'il est à l'église là, il est d'abord sur les réseaux sociaux. Il écoute la prédication, mais il est informé du scandale qui se passe à la cité. Et pendant qu'il écoute, il partage même. Et l'autre lui écrit. C'est quoi ça? Je ne sais pas, je suis pour l'église. Je ne suis pas au courant. Je viens de recevoir ça. Le Dieu que nous servons, pour qui nous chantons, il doit t'inspirer la crainte et la terreur. C'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous montre que Jésus va revenir demain? Avec TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. Voilà, WhatsApp. Docteur, est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui se lèvent le matin? Il n'a pas encore brossé ses dents. Il n'a pas encore dit merci à Jésus. Mais dès qu'il se lève, il ouvre d'abord, il regarde le compte Instagram. Quel est le scandale qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'on a moutakalisé? Est-ce qu'on a fait ceci? Donc tu trouves que la personne n'a pas prié? Même chez les chrétiens aujourd'hui, la vie de prière matinale a déjà disparu. On se lève d'abord avec les réseaux sociaux. Ne vous conformez pas.